Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment sécuriser un dossier sur ton ordinateur. Donc, c'est un processus qui est assez facile. Déjà, on va le faire grâce à une application tierce qu'on appelle 7zip. Donc, le lien sera dans la description. En cliquant sur le lien, tu auras accès à cette page que tu vois ici. Donc, ici, tu vas choisir selon la version et la version de ton PC et le système, tu vas choisir la version qui correspond le plus. Donc, et tu vas cliquer sur Download. Après que l'application ait été téléchargée, que tu aies installé cette application sur ton PC, tu vas tout simplement venir retrouver le fichier que tu veux sécuriser sur ton PC. Disons que ce fichier c'est DDS. DDS contient deux fichiers PDF, donc on va rentrer. Donc ici, tout ce que tu vas faire un clic droit sur DDS et tu vas choisir 7-zip et tu vas cliquer sur Add to Archive ou bien ajouter à l'archive, tu vas cliquer dessus. Et ensuite, mot de passe, tu vas entrer le mot de passe, je vais dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc si je clique sur montrer mot de passe, ça va m'afficher 1, 2, 3. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur OK. Donc un nouveau fichier DDS va se créer qui va contenir mon fichier original DDS. Donc si je veux avoir ça, ce fichier, je vais cliquer dessus. Ensuite, je vais cliquer sur DDS. Ensuite, je vais cliquer sur, par exemple, sur n'importe quel fichier PDF. Par exemple, ce fichier PDF. Avant de demander le mot de passe, je vais tout simplement cliquer sur 1, 2, 3. Et je vais pouvoir ouvrir ce fichier PDF. Donc, le fichier PDF va s'ouvrir tout simplement.